Alors je dirais qu'être parent aujourd'hui, moi je le résumerais en trois mots. C'est être ignorant, c'est être un peu dans l'inconfort et c'est être médiateur. Premier point, être ignorant, quand on devient parent, on découvre son propre enfant, mais aussi on est face à des enfants dont la conception, dont l'image dans la société a très très grandement changé depuis le temps où on était soi-même enfant. Et donc on découvre aussi tous ces nouveaux savoirs sur l'enfant et tout ça on doit l'apprendre, donc on est ignorant et apprenant. Être dans l'inconfort, être parent aujourd'hui, c'est souvent aussi être un parent actif, qu'on soit femme ou homme. Et donc c'est essayer de concilier cette vie familiale et cette vie professionnelle. Le monde de l'entreprise s'y est ouvert, pas encore assez. Donc il y a encore une forte tension entre les horaires de travail, entre la tension psychique du travail et la tension psychique de la parentalité. Donc il y a quand même cet inconfort auquel les entreprises doivent être attentives aujourd'hui. Être médiateur, c'est qu'aujourd'hui, être parent, c'est de moins être un transmetteur de règles, de cadres, de valeurs, ça existe toujours, mais à côté de cela, se développe une fonction de médiation, c'est-à-dire qu'on doit aider nos enfants à découvrir le monde et les accompagner dans cette découverte du monde, un monde qui n'est pas le nôtre, qui est un monde que nous n'avons jamais connu et qu'ils vont découvrir, mais aussi avec notre soutien, avec notre accompagnement, que ce soit du tout jeune enfant à qui on prête une attention et si on veut un appareil psychique pour pouvoir digérer leurs émotions, puis après pour nos enfants, adolescents, préadolescents, à l'univers desquels on doit être très attentif parce qu'ils vivent des choses encore une fois qu'on n'a pas connues, mais ils ont besoin de quelqu'un pour en parler, quelqu'un qui ne soit pas enfant, quelqu'un qui soit en dehors de leurs enjeux et qui puisse écouter ces enjeux.